Bonjour, ici Philippe de chez Toyota Saint-Eustache. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui est assez particulière. Et non, c'est pas une auto neuve. Alors, la voiture dont je vous parle, il s'agit d'une Toyota Supra 1987, une version turbo avec le toit Targa. Il s'agit de la troisième génération de Toyota Supra et la première à ne pas être appelée Celica Supra. Parce qu'en fait, les premières Supra étaient en fait des versions avec un 6 cylindres de la Celica. Donc, dans les premières séries de Celica, c'était des véhicules à propulsion, donc les roues arrière qui propulsaient le véhicule. Et il y avait, pendant deux générations, la version Celica Supra. Donc, au lieu d'un 4 cylindres, c'est une version 6 cylindres. Alors ça, c'est le véhicule super performant, la version performante de la Celica. Mais dans la troisième génération, donc celle dans laquelle je suis assis en ce moment, il s'agissait simplement d'une Toyota Supra. Et ils se sont départis de la chaîne Celica. Donc la chaîne Celica est partie de son côté. C'est devenu des tractions avant et il y avait eu des versions 4 roues motrices. Et la Supra, c'était la version Grand Tourisme. Alors, le 6 cylindres en ligne qui est dans ce véhicule, c'est le nom du code, c'est le 7M GTE. Donc c'est un moteur de 3 litres à turbocompresseur dans le cas de celui-ci. Donc, on voit bien la turbine qui est là. Une CT26. Il y avait des versions non turbo qui se faisaient, mais c'est sûr que celle-ci à l'époque avec le 220 chevaux, c'est celle qui était la plus intéressante. On peut aller chercher 400 à 500 chevaux avec des modifications très très mineures. Donc dans le cas de celui-ci, il est complètement d'origine. On n'a pas touché à la turbine ou aux valves, rien. Le boost est le même que d'origine, donc on sort à environ 220 chevaux. Alors, il faut vraiment être à côté de la voiture pour vraiment le constater, mais c'est une assez grosse voiture, en fait, pour une... c'est une 4 places, mais on va dire en réalité une 2 places. Il n'y a pas vraiment énormément de place pour les passagers à l'arrière. Mais pour une 2 places qui a maintenant 30 ans, c'est une 87, c'est assez impressionnant à conduire. On s'assoit dans le siège. Hop. Les panneaux sont hyper bien insonorisés. C'est très silencieux comme véhicule, compte tenu de l'époque et compte tenu du vieillissement qu'elle a eu. Le cruise control est fonctionnel. Le moteur peut virer jusqu'à 6500 tours minute. Et les accélérations sont assez impressionnantes. Pour 220 chevaux et au poids de la voiture, même dans le siège conducteur, on ressent fortement l'accélération quand le turbo embarque. Les bancs de la Supra, quelque chose de vraiment extraordinaire parce que avec le bouton qui est ici, vous voyez, on peut ajuster le banc. Je ne sais pas si on va le voir. Donc, vous voyez là, c'est pas moi qui bouge la caméra, c'est vraiment les deux côtés du banc qui se resserrent ou qui s'écartent. Donc on peut vraiment avoir tout plein d'ajustements électriques sur ce banc-là et c'est vraiment très très confortable. Le soutien est assez extraordinaire. Pour les amateurs de décapotables, je vais vous montrer comment on enlève le toit Targa. Alors, une fois que les quatre boulons sont dévissés, il ne reste plus qu'à retirer le toit. Et voici le look une fois le toit Targa en l'air. Alors pour l'instant, je vais remettre le toit parce qu'on est en avril et il fait froid. Mais on va aller faire un petit essai routier.
Alors, c'est tout pour cette vidéo sur notre Toyota Supra de 3e génération. Éventuellement, je voudrais faire une vidéo où on la voit rouler avec des prises de vue extérieures. Je vais premièrement attendre qu'il fasse un peu plus beau dehors pour être en mesure de faire ça. Et deuxième chose, j'aimerais attendre aussi d'avoir changé l'échappement dessus pour qu'on puisse avoir les prises de vue extérieures justement avec le plus beau son possible. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et partager si justement vous avez apprécié. Et on se revoit à la prochaine.